J'ai de la biafine sur le bout du nez. Ça fait 2 jours depuis qu'on a été à la plage et que j'ai cramé, que je me badigeonne de biafine sur tout le visage. Sinon, juste avant qu'on se lance devant la télé, on va regarder Grey's Anatomy. Je voulais vous parler d'un truc. J'ai reçu ma box Blind Box. C'est une box que j'ai payée 29,99 €. J'ai pris la box beau, produit d'une valeur vachement plus élevée que l'achat de ta box. Je vais vous montrer. Moi, j'ai la box beauté juste ici. Vous allez trop, trop, trop kiffer. Je vous explique. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent les invendus de certaines marques et recevoir un Steampod. Je te dis une connerie, mais tu peux recevoir un Steampod. Pardon. Le Steampod, c'est l'huile sur qui coûte une blinde, mais qui est trop bien pour les cheveux. Et ben, en fait, ou alors, si tu prends une box de luxe, et bien à l'intérieur, par exemple, tu vas recevoir un sac à main. Sauf que dans le sac à main, il y aura un défaut d'un. Il doit être neuf. OK. Il doit être neuf. Et en plus de ça, le défaut, ils doivent être. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre box, les filles, vous avez des défauts, vous voyez, ou alors c'est des invendus, comme je vous ai dit. Et j'ai reçu ceci. Il est trop, comme ça, Lacoste, trop joli. Vous aviez l'habitude sur nos réseaux de voir un petit peu nos interventions, nos actions qu'on fait en faveur des animaux, les sauvetages qu'on arrive à accomplir, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un chien qui, hier, a rejoint les mains de son propriétaire malgré. Bonjour, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Moi en ce moment je fais coloration des sourcils. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Je viens de trouver une clinique qui fait ça sur Dubaï, ça a l'air trop trop bien. Ça a l'air surtout ultra. C'était vraiment horrible. Et donc du coup, je sais que par exemple quand je veux dormir, parce que je peux pas appuyer dessus, donc vu que je suis tatouée derrière et sur les bras, c'est vrai que quand je m'étais fait détatouer, je vais. Rentrer tard. Bon les filles, j'ai été faire mon face gym. Donc en fait, c'est un massage spécialisé vraiment pour le visage. C'est anti-âge. C'est un truc de fou. Comment ton visage il va devenir tout fin, ta mâchoire elle va se sculpter à mort, etc. Donc moi, elle a commencé de là. Enfin, je commence le massage et après, il y avait déjà des résultats et là je suis rentrée et tout le monde le voit à la maison au niveau de ma mâchoire qui est grave plus marquée ressort plus parce qu'en fait elle vous fait des massages comme ça enfin bref un massage bien spécifique qui fait que tes lèvres vont ressortir et que tout ton contour va c'est genre le massage qui va te dessiner tout un visage tes pommettes ta mâchoire qui va te remonter les sourcils comme un effet botox mais qui va te donner un résultat que tu pourras avoir avec une chirurgie esthétique par exemple, sauf qu'il va te falloir genre 5-10 séances pour avoir un bon résultat. Bref, je suis trop contente. C'est des usines, les trucs qui font que des massages comme ça au visage, et c'est un gros carton. En France, j'en ai jamais vu. Et par contre, je vais pas vous mentir, il y a grave des pressions. Elle fait énormément de pression. Là, en fait, on dirait que ses doigts, c'est des petites pinces, genre je les voyais vraiment comme des. Ici, genre elle me pinçait totalement. Mais elle me pinçait totalement tout le buste. On dirait, elle me roulait ma peau et tout. Et au niveau des. Genre tout le long. Bref, elle fait vraiment des trucs de fou. Elle me mettait des gifles. Genre des petites gifles. Je vous jure, des petites gifles sur tout le cou. Il n'est pas trop beau, mon ensemble. En fait, j'aime trop parce qu'en général, ces ensembles-là, ils sont genre de couleur. J'ai de porter avec une petite paire de boots. Je suis trop fan. Pour ceux qui veulent savoir d'où ça vient de chez la marque d'Avril Paris. Je voulais vous en parler. Pourquoi? Écoutez bien, ils ont un truc en plus, clairement. C'est vrai qu'en ce moment, avec la conjoncture actuelle, etc., c'est assez difficile pour certains d'entre vous. Et j'ai jamais vu une marque de vêtements qui fait ça, en fait. Vous avez la possibilité de payer en 2, 3, 4 fois vos commandes. Je trouve ça trop, trop bien, en fait. Vous l'aurez compris, ça c'est ma première tenue. Sur leur site, elle est dispo en plein de couleurs. C'est vraiment un ensemble trop confort, trop joli. Vous voyez, claqué avec une petite paire de boots, c'est un petit sac à main, ça fait le tout. Ensuite, on continue avec deux doudounes oversize, comme ça que j'ai pris. Celle-ci, donc, qui est donc en kaki, trop trop belle. Genre large comme ça. Elle est trop belle, elle est trop canon. Et elle tient méga chaud! Ensuite, on continue avec un pantalon simili-cuir comme ça, de couleur taupe. Et ce petit pull qui ne gratte pas. Je sais que vous en avez peut-être marre à chaque fois, je vous le précise. Mais je trouve ça hyper important. T'as pas trop le seum si tu commandes un pull et il gratte. Franchement, je serais deg. Le pantalon, il taille. Il laisse dedans. Trop joli. Et le fait que ce soit une couleur taupe, je trouve que ça change.
Et on finit avec ce manteau que je kiffe encore plus que le kaki. Enfin, j'aime bien les deux, mais là, j'adore les lignes. Franchement, les lignes sont super belles sur ce manteau-là. Crevecho. Vraiment, il est grave épais. Donc voilà, les filles, c'était ma section de chez D'Avril Paris. Si ça vous a plu, je vous mets le lien direct en swipe up. Vous pouvez payer donc en plusieurs fois à partir de 50 euros d'achat. Vous avez les frais de port qui vous sont trop confortables. Magnifique même. Bon, de retour à la maison, on est parti découvrir d'autres quartiers autour de notre quartier à bord de notre super mobylette. C'était trop marrant. Je vais me nettoyer le visage. J'ai une peau de plus en plus jolie, je suis trop contente. Toujours pareil, j'utilise. Là, j'ai mon soin doux exfoliant. Ça, c'est un soin exfoliant donc que vous pouvez utiliser tous les jours. Donc, je vais commencer avec le soin doux exfoliant. J'ai humidifié mes mains. Hop, je vais donc le faire couler. Super fin et du coup n'agresse absolument pas la peau. Moi je l'utilise principalement pour lisser ma peau. En fait plus je l'utilise, ce qui fait que juste après bah, quand tu te maquilles, et même si t'es une fille qui te maquille pas, juste tu mets ta crème hydratante et ta peau elle est tout. Et on termine avec le savon lait de chèvre. Alors l'huile d'arbre de thé à l'intérieur, dans les pays asiatiques ils utilisent énormément ça pour la qualité. Bon j'ai entièrement tout rincé, ma peau au toucher c'est une peau de bébé, j'aime trop. Si ça vous intéresse, déjà juste après, j'aime bien partager vos témoignages. Je vais vous mettre le lien en swipe up juste en bas. Si vous avez besoin de refaire votre plein ou si vous voulez enfin tester, franchement, foncez. C'est